chers abonnés, chers pêcheurs, bonjour, toujours dans ces temps de confinement, on va profiter pour faire une petite vidéo sur le roulage. Hein, donc je vous avais dit, on parlera plus de recettes cette année, en plus les temps de pêche vont être écourtés, donc il n'y a pas de raison de changer de recette, hein, on sait faire de la bonne bille, il n'y a pas de problème. Par contre, savoir faire de la bonne bille et savoir bien la préparer, c'est deux choses différentes. Sur les réseaux, je vois beaucoup de problèmes, beaucoup de questions qui tournent. Hein, sur j'arrive pas à rouler, ma patte éclate, j'ai des sorties de bus qui explosent, quand je roule sur ma table ça éclate, mes billes quand je les sors de cuisson vapeur elles collent. Alors dans cette vidéo on va essayer de résoudre en 5 ou 6 points tous ces grands problèmes de roulage et j'espère que ça va vous aider à améliorer la fabrication de vos bouillettes. Bon voilà, erreur numéro 1 à ne pas commettre à l'élaboration du mix. Donc vous faites une base, moi j'aime bien travailler toujours avec la même base. Donc ici j'ai ma semoule de blé dur, ma surfine de maïs et ma farine de soja, donc céréales légumineux. D'accord ? Donc ça c'est ma base. Une part de chaque, un volume égal de chaque et ça c'est ma base. Alors, l'erreur à ne pas commettre, c'est quoi? C'est, on va dire, la poudre de chili, ça marche super. Le robin red, ça marche super. Le coriandre, ça marche super. D'accord? Certains arômes marchent super. Il n'y a pas de souci. Il y a des arômes qui marchent. Donc, on a tous tendance à s'embrouiller. Dire, ah ben ça marche, ça c'est bon, ça la carpelle bien, ça aussi. Donc, j'en mets. Et on se retrouve à mélanger toutes les saveurs. Donc, ne commettez pas cette erreur. Gardez un mix de base et donnez-lui une saveur. Par exemple, ici, je vais vouloir faire des bouillettes épicées. Je vais partir au Robin Red. 10-15%. Voilà, j'ai mes bouillettes au Robin Red. C'est tout. Ma graine à canarie. Hein, vous savez, j'utilise beaucoup de graines à canarie concassées hein, pour aérer mon mix. Et voilà, j'ai ma bouillette Robin Red. D'accord. Si je veux faire des bouillettes coriandre, je vous ai déjà donné la recette. Je pars sur mon mix de base, coriandre couplé au fenugrec grec. C'est tout. Stop. On peut coupler avec une deuxième épice, il n'y a pas de problème. Mais pas trois, mais pas quatre. Sous prétexte qu'elles sont bonnes. Le chili, c'est pareil. Les poissons adorent ça. Alors le chili avec un mix avec beaucoup de beurre food, vous pêchez avec ça, c'est tip top, ça marche super bien. Vous allez mélanger le chili avec le fenugrec, ça va marcher. Vous allez commencer à rajouter de la coriandre parce que ça marche bien, un arôme en poudre parce que ça marche bien, du robin red parce que ça marche bien. C'est terminé, vous perturbez vos saveurs. Et là, c'est fini. Donc, on fait une bouillette robin red, une bouillette chili, une bouillette coriandre. Le fenugrec, je vous rassure, ça passe avec tout. On peut le couper quasi avec tout. Hein, il y en a qui coupent également si je ne me trompe pas, ça va être le curry et l'ail, il me semble. Donc c'est une combinaison qui marche bien. Mais on n'ira pas au-delà. Ça c'est l'erreur que tout le monde fait. Et on met un arôme, et on rajoute un arôme en poudre, et on remet un machin, et on remet un bidule. Et ce qui fait que votre signal olfacto-gustatif de votre bouillette est complètement dissonant et le poisson, ça ne l'intéresse pas trop. Ça ne l'intéresse pas trop. Vous verrez que plus vous faites des recettes compliquées et moins vous prendrez de poisson. Voilà, ça c'était l'erreur à pas commettre. Mélanger trop de saveurs. Voilà, une autre erreur à ne pas faire, c'est avoir un déséquilibre au niveau des collants et des dispersants dans votre mix. On a déjà fait une vidéo à ce sujet, on en a déjà parlé.
Hein, donc moi, je me suis établi une règle qui tient à peu près la route. Hein, au fur et à mesure des années, j'ai vu que ça se tenait. Donc on ne va pas dépasser 2/3 de dispersant. Hein, donc ici, j'ai mes farines de base, hein, que je vous ai montrées déjà. Donc j'ai la semoule de blé qui est collante, j'ai la surfine de maïs qui va être dispersante, et la farine de soja qui coagule un tout petit peu, mais c'est même pas coagulé. Bon, on peut pas dire que c'est un collant, c'est ni un dispersant. Ça n'a pas vraiment tenu. Alors, vous allez me dire, j'ai deux dispersants, j'ai un collant, plus mes graines à canaries qui vont aérer mon mix. D'accord ? Donc, la semoule de blé a une particularité, c'est qu'elle colle très fort. Donc, ça passe. Si vous mettez trop de graines, c'est pas grave en soi, hein, loin de là. Par contre, ça risque de faire éclater votre mix. Donc là, vous pouvez le rattraper avec une farine de blé de bonne qualité. Bien sûr, hein, ne prenez pas le premier prix, prenez de la bonne qualité. Vous en rajoutez 10% dans votre mix, hein, 100 grammes pour 1 kg. Et vous allez voir, vous allez recoller votre mix instantanément, sans nuire à la diffusion grâce aux graines aux canaries qu'on va juste concasser et pas moudre. Voilà, donc grâce à ça, on arrive à créer un équilibre dispersant-collant. Donc ça demande des petits tests, hein, parce que c'est pas une science exacte, on peut pas dire c'est 50 grammes de ci, 50 grammes de là. Ça va dépendre de la qualité de la farine. Donc la qualité de la farine, ça joue de mois en mois, d'année en année. Parfois elle est un peu plus grosse, parfois elle est de meilleure qualité, ça dépend des années, selon les saisons qu'on a eues. Il n'y a pas de science exacte à ce niveau-là. Donc on a une règle 2/3 dispersant, 1/3 de collant. Normalement, ça tient la route. Après, on peut faire quelques petits ajustements. Surtout, ne faites pas cette erreur d'avoir trop de dispersants ou trop de collants. De toute façon, vous allez vous en rendre compte tout de suite quand vous avez commencé à rouler. Bon, voilà, encore une erreur à ne pas commettre. Vouloir partir sur des quantités de préparation fixes. Voilà, la cuisine, c'est un art. Hein. Préparer les bouillettes, c'est pareil, c'est un art. Donc, si... pendant des années, et je l'entends encore aujourd'hui, on dit, oh là, 10 œufs, 1 kg de mix. Faux. Faux, complètement faux. Ici, je vais vous montrer par rapport à mon mix, j'ai fait mes calculs, mes proportions, valeur 10 œufs avec mon mix. Voilà ce que ça donne. Regardez. Je vais essayer de le rouler. Hein. Regardez. Hop. Voilà. Voilà. Donc, on ne peut pas dire 10 œufs, 1 kg de mix. C'est faux. Ça dépend de la granulométrie, du pouvoir d'absorption de votre mix. Vous voyez ? Donc ici, je me retrouve avec un mix beaucoup trop sec. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Il va éclater en roulant le boudin avant de le mettre dans le pistolet, voire sur la table à bouillettes, quand on va vouloir rouler les bouillettes, tout va partir en vrille, tout va éclater sur votre table. Vous avez déjà certainement eu le tour. Hein, parfois, on a la main un peu légère ou un peu lourde et on a ce résultat-là. Donc l'erreur à ne pas commettre, c'est de partir sur des quantités fixes. Vous fabriquez votre mix et de là, il va falloir faire des tests aussi bien en œufs frais que en eau. Donc moi, je travaille avec des œufs en poudre maintenant. Donc j'ai mes doseurs, hein. Donc voilà, j'ai fait des essais, j'ai démarré 1 kg de mix, 400 ml d'eau, j'ai vu que c'était trop sec, je suis monté à 450, je suis monté à 500, etc. Alors on gaspille un petit peu de pâte, mais on n'a pas le choix, il faut faire quelques essais. Aujourd'hui, je sais qu'avec le mix que je fabrique, il me faut minimum entre 550 et 600 ml d'eau, d'accord, plus mon huile, plus mon arôme, plus mon alcool. Okay, donc en gros je suis à 650 ml pour 1 kg de mix. D'accord ? Ça aurait pu être, si j'avais travaillé avec un mix épicé, beaucoup moins d'eau, parce que vous allez voir que forcément les épices sont hydrosolubles, donc le mix va pomper différemment. Donc ça, c'est à vous de trouver la bonne quantité, sinon vous allez vous retrouver avec un mix trop sec comme ça, qui éclate complètement sur la table et on ne peut rien faire avec. Inverse, si vous faites trop liquide, hein, vous mettez trop d'eau ou vous mettez pas assez de mix dans vos œufs, on va se retrouver avec une pâte comme ça, ici, vous voyez, hein, complètement collante, hein, on ne sait plus quoi en faire, on en a plein les mains, on en a plein la table, ça colle dans le pistolet, on ne sort pas de bouillette ronde, ça c'est pas encore trop grave, mais bon, ça colle partout, c'est voilà, c'est pas génial. Et quand on a trouvé le bon dosage, ben voilà, on a une bonne pâte ici, voilà, bien fluide, regardez, voilà, elle se tient bien, pourtant elle a une grosse granulométrie, vous voyez, mais bon, voilà, voilà, ça se tient super bien, voilà, ça au pistolet. 7 barres, vous poussez, vous sortez un boudin nickel et vous avez des billes qui éclatent pas sur la table, qui sont parfaitement rondes. Voilà, donc ça c'était pour l'erreur de dosage d'eau ou d'œuf par rapport à votre mix, hein, pour ceux qui travaillent encore avec des œufs frais et qui travailleront toujours avec des œufs frais parce que c'est un choix,
Hein, c'est un choix. Donc, moi, j'ai fait le mien. Je trouve plus pratique avec des œufs en poudre. Bon, ben voilà, c'est tout. Mais la règle reste la même. Il faut vraiment trouver son bon dosage, quoi, en fait. Parce que, bon, pour ceux qui roulent avec des œufs frais, comme moi pendant des années, vous pouvez vous apercevoir que quand on met son mix dans ses œufs, alors on jauge, hein, on trouve qu'on a une belle pâte, et peut-être une heure après, elle est dure comme ça, on est incapable de la rouler, quoi. Donc, parce qu'il n'y a pas assez de liquide par rapport aux farines, en fait, c'est ça. C'est ce qui m'a poussé à passer un peu aux œufs en poudre, et en plus, ça cuit les farines à cœur. Bon, ça, c'est un autre débat, on en a déjà fait une vidéo. Donc voilà, l'erreur à pas commettre, de croire qu'il y a des doses fixes. En fait, la dose va dépendre du mix que vous avez fabriqué au départ. Bon, voilà. Donc ici, j'ai mis la pâte sèche dans le pistolet et on va pouvoir observer la sortie du boudin. Donc déjà, je monte très fort en pression. Hein, donc je suis à pratiquement 7 bars. Vous voyez, donc le boudin sort avec difficulté, alors que normalement, en pneumatique, ça sort tout seul. Voilà. Et on va s'apercevoir que ça part ici, regardez, ça devient hyper cassant, quoi, en fait. Ça devient hyper cassant. Voilà. Donc on va la passer à la table et vous allez vous rendre compte du résultat. Hop. Voilà. Vous voyez, elles éclatent complètement. Regardez. Voilà, on a des morceaux, voilà, ça éclate en deux sur la table. Voilà, c'est vraiment pas pratique. Regardez. Donc voilà, vous imaginez bien que quand la pâte a du mal à sortir comme ça avec un pistolet pneumatique et un compresseur, vous imaginez, pour ceux qui roulent avec un pistolet à main, c'est quasi impossible à sortir. Donc il faut vraiment trouver son bon dosage. Voilà, donc ici on va sortir une pâte, on va dire, normale. Je vais vous le mettre comme ça, vous allez bien le voir. Voilà, ici elle est trop molle, vous voyez. Donc. Voilà, là on a sorti une pâte trop molle, vous voyez, elle est sortie à une grande vitesse. Ensuite, on a des différences de diamètre. Ici, on est beaucoup plus gros qu'ici, hein, donc à la sortie, la pâte gonfle. Hein. Donc, on se retrouve avec des diamètres différents. Ce qui fait qu'au roulage, vous allez avoir des bouillettes qui vont avoir des trous dedans. Et vous allez avoir des bouillettes plus petites. Alors ça, c'est pas grave. Par contre, pour celles où il y a des bouillettes, où il y a des trous dedans, c'est très, très embêtant. Donc pareil, on va le mettre à la table et vous allez voir le résultat du fait qu'on a une pâte qui est très collante. Donc ici, on a notre boudin avec une pâte collante. Hein, vous voyez. Voilà, donc on a ici des bouillettes avec des trous dedans. Hein. Donc ici, ça va encore. Vous voyez, ici, il y a un trou dedans aussi. Ici, elle est fissurée parce qu'elle est trop grosse. Là, ça va. Là, ça va. Vous voyez, c'est voilà. Ici, elle est éclatée. Ici, c'est pareil. En plus, ça colle dans votre table. Au bout d'un moment, tout va coller et vous allez être très, 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 très embêté. Et maintenant, on va passer un boudin, on va dire, qui est à peu près dans la proportion, hein, normale. Et vous allez voir que ça va tout seul à rouler. Voilà. Voilà, là, c'est parfait. Il n'y a pas de trou dedans. Là non plus. Là non plus. Là non plus. Alors par contre, ma buse est un petit peu petite, donc ils sont pas super ronds. Là, j'ai un trou. Vous voyez, ça arrive hein, quand même. Voilà. Là, ça se roule bien. Là, j'ai pas de problème majeur. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire qu'il faut vraiment trouver le bon dosage, ni trop dur, ni trop mou. Et ça, faut sortir des idées reçues, de dire c'est 10 œufs, 1 kg mix, c'est 350 ml d'eau pour 1 kg mix. C'est totalement faux. C'est à vous de faire vos calculs. C'est à vous de trouver le bon dosage. Et puis parfois de ne pas hésiter à apporter sa petite touche de cuistot.
Une autre erreur à ne pas commettre également, cette fois-ci, on va parler du matériel, hein, et non de la préparation de la pâte en elle-même. Voilà, donc j'ai souvent des questions sur les réseaux sociaux, on en parle beaucoup entre carpistes, le problème des trous dans les bouillettes. Hein, donc c'est tout simplement, c'est dû à la coupe de votre buse. Si vous voulez faire des bouillettes de 24 mm, mais que vous coupez votre buse à 24 mm, forcément quand votre pâte sort de la buse, elle gonfle. Et c'est encore plus vrai avec des œufs en poudre. Donc si vous avez votre buse coupée à 24, elle sort à 26, 27. Donc quand vous passez dans votre table, même si votre pâte est bien préparée, forcément vous allez avoir des gros trous à travers vos bouillettes. Donc ça nuit énormément à la tenue dans l'eau sur le cheveu. Hein, donc en amorçage, tout ça, c'est pas bien grave. Et puis bon, c'est pas génial. On essaye de faire un travail correct. Donc voilà. Donc pour certains mix, c'est pareil. C'est pas une science exacte. Pour certains mix, pour faire du 24, pour sortir du 24 correctement à votre table, il faudra couper votre buse à 20, 21, 22, 19 parfois. Hein, moi, je suis à 19 mm. Donc ça, en fait, ça dépend de votre mix encore une fois. Donc il va falloir avoir des buses. Hein, qui sont taillés, oui, j'en ai même des numérotés qui sont taillés différemment pour pouvoir sortir ce que vous voulez. Hein, donc, par exemple, si vous voulez sortir des dumbbells tout simplement, vous taillez à 18, vous roulez dans une table de 24, vous avez des dumbbells. Il n'y a pas de secret, hein, c'est tout simple, c'est tout bête à faire. Hein. Donc voilà. Tout ça pour en revenir au trou, si vous sortiez votre boudin trop gros, hein, forcément, ici à votre table, vous allez avoir des trous dedans. Donc pensez bien à couper votre buse plus court que ce que vous voulez faire. Donc ça va être, pour certains, je vous dis, selon le mix, 20, 21 pour sortir du 24, du 16 pour sortir du 18, etc., etc. Donc voilà, ça c'est une erreur à ne pas commettre, couper les buses trop vite, il faut vraiment y aller par étapes. Donc moi, par exemple, pour du 24, je vais couper tout de suite à 22. Je vais passer un boudin, je vais voir ce que ça donne. Et puis après, tout doucement, hein, j'y vais soit avec une petite meuleuse, je pose ma buse dessus, je l'use un peu, je réessaye, je l'use un peu, je réessaye, etc. Jusqu'à temps que j'ai la bonne coupe. Parce que le problème de la scie à métaux, c'est qu'on coupe. Et puis après, pour enlever un demi-millimètre, c'est compliqué. Alors, on n'y arrive pas bien. Donc l'idéal, c'est avec une ponceuse et vous poncez tout doucement votre tête de buse. Et vous allez avoir, vous allez finir par avoir le bon diamètre. Donc ça, c'est pour la sortie de buse. Autre problème aussi qu'on rencontre régulièrement, que ça soit au pistolet pneumatique ou que ça soit au pistolet manuel, c'est les boudins à la sortie. Quand votre boudin sort du pistolet, ça pétarade. Hein, ça part en morceaux, tout le monde a déjà eu le tour, hein, ça part dans tous les sens. C'est une vraie galère. Pourtant, votre pâte, quand vous la prenez dans votre main, vous la malaxez, elle est belle, elle est bien. Alors ça, c'est un problème d'étanchéité. En fait, ici, dans votre pistolet, alors pour les manuels, c'est pas conçu tout à fait pareil, mais on a un piston en fait, hein, ici. Là, on a un piston avec deux joints toriques. Il suffit que vos joints soient légèrement fissurés à l'intérieur. L'air va, au lieu de pousser le piston, donc elle va pousser le piston, oui, mais elle va passer ici entre deux. Hein, elle va s'infiltrer ici entre deux, elle va rentrer dans votre pâte, et ici à la sortie, elle va exploser votre pâte. Forcément, l'air va se mélanger dans la pâte. Et au niveau du pistolet manuel, c'est pareil. J'en ai pas ici, hein, à vous montrer, mais vous avez une petite collerette souple, hein, qui vient s'enfoncer dedans et souvent elle s'use. Hein, j'ai eu le tour moi avec les pistolets manuels que j'avais eu et l'air rentre dans le fût, se mélange à la pâte et à la sortie ça pétarde. Et ça, c'est franchement c'est galère. Il faut vraiment remédier à ce problème-là avant de vouloir changer votre mix ou de vous remettre en question. C'est tout simplement un problème d'étanchéité à l'air. Voilà, dernière chose, on va parler de la cuisson. Alors, les problèmes de cuisson, la dernière fois j'ai eu un message, on me disait que quand on sortait les bouillettes du cuiseur vapeur, en fait elles étaient molles et collantes encore. Donc ça, c'est un manque de cuisson tout simplement. Donc souvent le souci, c'est que ici, bon, on va parler du cuiseur vapeur en premier, on met son fond d'eau, moi je le fais monter en température, je le fais monter à 100, 110. Et je le fais, mais alors je le fais chauffer très très fort. Quand vous allez l'ouvrir, vous allez avoir la vapeur qui va sortir, votre température va chuter. D'accord ? Vous mettez vos paniers le plus rapidement possible, vous refermez. Donc il va avoir un temps de réchauffe, on va dire. Il faut que la température remonte. Donc c'est pour ça que je pousse à 110. Donc on fait sa première fournée, on sort ses bouillettes. Donc ici, moi je mets 12-13 kg
je mets 20 minutes pour des 24 mm, hein, donc c'est largement suffisant. Pareil, j'ai fait des essais aussi de cuisson. Il n'y a pas de science exacte. Par contre, quand je change de fournée, donc je vais ouvrir mon bac, forcément, je vais enlever mes paniers, la vapeur va sortir, la température va rechuter. Donc je ne vais pas remettre mes paniers tout de suite, d'accord? Je vais refermer mon couvercle, je vais laisser remonter la température à 100 degrés, hein, pourtant je cuis à 80, hein. Je vais l'ouvrir, donc ça va rechuter, je remets mes paniers, je referme. Ce qui fait que je ne perds pas trop en chaleur. Si vous redémarrez votre cuisson et que vous êtes redescendu à 50 degrés, il va falloir au moins 5-6 minutes avant que ça remonte à 80 degrés. Sur 20 minutes, c'est presque 50% du temps. Donc forcément, ça va jouer sur votre cuisson. Donc il faut vraiment trouver l'équilibre. Ici, moi, je me suis équipé d'un pied à gaz avec plusieurs robinets. Voilà. Hein? Donc pour pouvoir relancer la cuisson, hein, j'ai trois brûleurs ici, pour pouvoir relancer la cuisson au plus fort quand j'en ai besoin et baisser quand je vois mon thermomètre ici qui s'approche dangereusement des 90 degrés. Il ne faut surtout pas que je dépasse vu que je mets de l'alcool dans mes bouillettes et l'alcool s'évapore à 90 degrés. Donc il faut vraiment que je reste à 80-85 degrés, c'est très bien. Donc ça c'est pour le cuiseur vapeur. Pour l'eau c'est pareil. Quand on cuisine à l'eau, pendant des années j'ai cuit à l'eau, donc on fait bouillir son eau, on met ses bouillettes dedans, donc on apporte de la matière froide forcément. Donc la température va redescendre. Donc c'est là qu'il faut pousser le pied à gaz pour relancer la chauffe le plus vite possible. Hein, pour dire qu'il n'y ait pas trop de décalage, sinon bah, vos bouillettes vont avoir un mal de chien à cuire. Et en plus dans l'eau, si vous les laissez trop longtemps dans l'eau, vous perdez beaucoup dans les liquides, vous perdez votre arôme, etc. Parce que bah, l'eau pour faire bouillir, c'est minimum 95 degrés, entre 95 et 100. Donc en fait, vos arômes, vos acides aminés que vous rajoutez pour certains qui rajoutent des liquides de ce type, tout part dans votre cuisson en fait. Et vous allez voir qu'au bout de 3-4 fournées, votre eau n'arrive même plus à bouillir, tellement elle est chargée. Donc là, il faut la changer et là, vous jetez ce que vous avez mis dans vos bouillettes, c'est un peu dommage. Donc, et c'est encore une raison pour laquelle je suis passé aux œufs en poudre, parce que je rajoute mes liquides dedans et ça cuit mes farines à l'eau, on va dire, mais en utilisant un cuiseur vapeur. Cette petite vidéo pendant ces temps de confinement, j'espère que ces 5 ou 6 points qu'on a pu voir va vous permettre de résoudre quelques problèmes de roulage pour ceux qui ne sont pas trop habitués à rouler régulièrement, parce que plus on roule forcément et plus on va gérer ces petits problèmes et mieux ça va aller. Si ça a pu aider certaines personnes, c'est tant mieux, c'est le but de ces vidéos. Voilà, en tout cas, vu qu'on est encore confiné, à mon avis, pour quelques semaines, prenez soin de vous et portez-vous bien.